Avant de... Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour ça. Qui connaît qu'est-ce que c'est dans le monde de développement web le concept de polyfill? Oh, il y a plus que... il y a plus qu'à Lyon. En gros, pour ceux que vous ne connaissez pas. Moi, j'aime bien faire des bricolages. Oh, d'ailleurs, j'ai acheté une baraque qui est un peu vieille, donc je suis obligé de faire des bricolages. Et une des tâches qui m'embête le plus, c'est quand je dois mettre des carrelages par terre, sur un sol qui n'est pas parfaitement plat. Vous voyez, il y a un sol où il y a des trous, des petites montagnes, il n'est pas plat. Si tu essayes de mettre les carrelages, même si les trous sont de quelques millimètres, bah, les carrelages ne vont pas être super bien, et si tu t'entêtes à les mettre, ça va casser tôt ou tard. Ce n'est pas le bon plan. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un bricoleur amateur dans ce cas-là? Bah, on va au magasin de bricolage et on dit, oh, qu'est-ce que... on va faire une petite chape liquide, on va mettre des mastics si c'est une petite surface. En gros, on va verser quelque chose de plutôt liquide qui va couler, qui va remplir les trous, qui va mettre tout au niveau, qui va solidifier. Une fois solide, je vais avoir une surface complètement plate dans laquelle je vais pouvoir mettre mon carrelage à plat. Bah, le concept de polyfill, c'est littéralement ça. C'est les mastics. En gros, on a les navigateurs qui ont des niveaux de support différents pour des différentes fonctionnalités. Moi, en tant que développeur, je ne peux pas me permettre de revenir aux années 2005 et faire des codes spécifiques Internet Explorer, des codes spécifiques Safari et des codes spécifiques Chrome. Non, on est dépassé ça. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise des bibliothèques JavaScript qui vont, en gros, mettre les navigateurs à niveau. Ils vont voir dans quel navigateur ils s'exécutent. Tiens, est-ce que je suis sur Chrome? Bah, j'ai rien à faire. Ah, ok. Je suis sur Internet Explorer. Oh punaise, j'ai tout inventé. En gros, ils simulent en JavaScript les fonctionnalités que chaque navigateur manque pour arriver au même niveau. Et ils proposent à vous, en tant que développeur, une surface stable dans laquelle pouvoir faire vos codes. Et les polyfills pour les web components, et ils sont à point. En gros, tu peux utiliser les polyfills, appelés une bibliothèque JavaScript, et tu sais que si tu es sur Chrome, c'est génial parce que ça va être natif, en plus ça va être super rapide. Si tu es sur Internet Explorer, bah, tu vas être émulé en JavaScript, ça va être plus lent, mais au moins ça va marcher. Ton navigateur va être mis à niveau. Donc en gros, oui, on peut utiliser des web components aujourd'hui, mais le prix à payer, c'est passé par un polyfill. Passer par un mastic de remplissage qui va mettre mon navigateur à niveau. Si les sujets de Web Component vous intéressent et vous voulez approfondir, il y a un site génial pour ça, c'est webcomponent.org. Là, il met à jour toutes les dernières nouvelles, toutes les nouveautés, les différentes versions courantes des standards, des articles, des tutoriaux. Donc c'est un très bon site avec une communauté assez active derrière. Sauf que nous, on ne va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, avec les standards Web Component dans l'état actuel, pas dans l'état qu'il sera quand le standard sera sorti, mais dans l'état actuel, on a un problème. C'est que créer les composants, c'est une tâche assez ardue. Tu dois faire tes templates, ton JavaScript, ton machin. Donc là, il y a le projet Polymer qui rentre. Le projet Polymer était dévoilé dans les Google I.O. d'il y a 2 ans. En gros, il s'était dit, le standard web component commence à avancer, il n'est pas complètement mûr. On va proposer d'abord un polyfill complet pour que tous les navigateurs puissent utiliser le web component. Ensuite, tout un catalogue de composants déjà faits pour que les gens puissent servir pour construire leurs composants plus élaborés, leurs composants plus élaborés. Et ensuite, bah, des composants de plus haut niveau et toute l'infrastructure qui va avec pour que les gens puissent coder dès aujourd'hui avec des web components. Le jour où le standard arrivera, il suffira d'enlever les polyfills et le reste des codes sera valable. Et en plus, on va aller vers la version définitive des standards, pas vers la version supportée, donc on va simplifier toute la partie nécessaire pour créer ces composants. Donc, ils ont créé un projet open source avec deux piliers. D'abord, une bibliothèque pour faire les polyfills. Là, ils se sont mis les paquets côté performance, compatibilité multinavigateur et faire les trucs les plus petits possibles pour qu'ils puissent être utilisés partout. Et ensuite, une fois cette partie-là est faite, on va créer des catalogues de composants de différentes complexités.
pour pouvoir créer des applications ampliées à la carte. J'ai pris tel composant, tel composant, tel composant, j'ai fait communiquer celui-là avec celui-là, boum, 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 et une appli de base est faite. Un peu comme ce qu'on fait avec Twitter Bootstrap pour la présentation, mais pour le comportement des composants. Et là, pour une fois, on a eu un beau exemple de collaboration entre des acteurs que d'ailleurs ils ne se comprennent pas toujours. Parce que comme temps, il y avait Mozilla qui voulait faire la même chose. Donc il y a Polymer qui avait sorti et il bossait sur un truc, pardon, qui s'appelait Xtag pour créer aussi les socles polyfills et la bibliothèque de composants. Et plutôt que créer des versions différentes et incompatibles, ils ont décidé que les polyfills, ils allaient merger leur effort pour créer un polyfill unique qui soit le plus optimisé possible et surtout qui permet d'ailleurs à utiliser soit les composants Google Polymer, soit les composants Mozilla Xtag, soit vos composants à vous, soit des autres bibliothèques de composants qui puissent arriver. En gros, plutôt que faire un truc incompatible que ça marcherait avec Google ou avec Mozilla, ils ont créé un polyfill complètement générique pour que tous les autres projets qui visent à créer des bibliothèques de composants n'aillent pas inventer cette partie-là et garantir une vraie interopérabilité. Donc, en gros, le projet Polymer, à la base, quand j'ai dit la couche native, c'est le navigateur avec les différents niveaux de support, le polyfill va prendre toutes les parties qu'on a vues, les Shadow DOM, les Web Components, les Samports et d'autres parties qu'on n'a pas vues, comme un framework pour faire de l'animation ou la couche des observeurs et mutateurs qui est partagée avec ce que Angular fait pour créer un polyfill, mettre tout au niveau, remplir les trous et proposer une base standard. Sur ça, il va y avoir les composants polymères de base ou des composants polymères plus élaborés et même à terme des applications complètes. À la base, ça s'appelait projet Pika, maintenant c'est devenu Google Component. Et là, tu peux mettre une balise Google, tu peux mettre une carte Google Maps sur ta page avec une balise Google Maps, tu peux mettre un document Google Docs sur ta page avec une balise Google Docs, etc. Donc tu peux vraiment faire des composants très riches et les mélanger à plaisir avec tes composants à toi. Le principe, c'est que sur Polymer, tout est des composants. On va faire une architecture full composant, donc dans ta page, tous les éléments doivent être des composants. Ces composants-là, ils gardent toujours cette idée-là d'encapsulation, interface, comportement à l'intérieur. Ensuite, tout doit être fait avec des pragmatismes. D'abord, la performance est importante, extrêmement importante. Dans les web d'aujourd'hui, si ta page n'est pas rapide, ta page ne sera pas utilisée. Ensuite, la tuyauterie est mauvaise. On est des développeurs. Si on aime bien faire la tuyauterie, on serait plutôt des plombiers. Nous, on aime bien construire des codes qui servent à quelque chose. Moi, passer de serre à déclarer un event listener et un event handler et essayer de comprendre la subtile différence entre les event handler, event listener et les file event d'un modèle d'événement classique, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'un truc qui marche et que les frameworks prennent en charge toutes ces parties-là de tuyauterie pour moi. Et tout ce qui est répétitif, tous les codes qui doivent être requis plusieurs fois, ça doit être refactoré dans des composants. Donc c'est un framework extrêmement pragmatique où les codes que tu écris, c'est des codes qui servent à quelque chose et la tuyauterie, il est caché dans la bibliothèque JS qui va bien. Un peu, ça rappelle à certains les côtés un peu magiques de premier abord d'un Angular JS, par exemple. C'est pas par hasard que les équipes qui ont bossé sur Angular et Polymer sont assez proches au niveau philosophie de développement. Et le troisième principe, c'est presque le plus important, c'est le projet Polymer, il y a énormément de choses, les polyfills, la bibliothèque de base, les composants riches, les composants ultra riches. Il n'est pas question que chaque fois que tu vas faire une appli, tu ramènes tout ça. Donc, ils sont tout coupés en petits modules que tu peux importer via des samports pour utiliser simplement la partie dont tu as besoin. Comme ça, ton appli n'est pas plus lourd que nécessaire et toi, étant que développeur, on ne t'oblige pas à utiliser un truc simplement parce que tu utilises Polymer. Tu peux utiliser aussi peu ou aussi beaucoup de Polymer que tu veux. Et en plus, tu peux les combiner dans ton appli.
Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Moi, j'ai mon appli Angular, parce que ça va très bien. Et à côté, il y a mon collègue qui a fait son appli, et là, c'est véridique, il est bizarre, mon collègue, en Dart. Bah, moi, j'ai envie de faire un menu commun pour les deux applis. Comment est-ce que j'ai fait? Bah, je vais faire mon menu avec des composantes polymères. Je l'injecte dans mon appli Angular, ça marche nickel, aucune incompatibilité. Je le fous dans mon appli Dart, dans le côté HTML de mon appli Dart, ça passe nickel, aucune incompatibilité. Je le donne à un autre collègue qui fait des backbone, bah, il le met, aucune incompatibilité. Pourquoi? Parce que la bibliothèque a été faite exprès pour se centrer sur la partie qu'elle fait, ne pas avoir des effets de bord et vous permettre afin de définir des composants que vous pouvez utiliser dans d'autres applications quand vous voulez, aussi petit que vous voulez, ou pour faire l'application complète si vous voulez. Et c'est là que ça donne une flexibilité énorme à la technologie. Non? Non? Si. Il y a Xtag de Mozilla, comme je vous avais dit. Le projet Xtag, en gros, maintenant c'est devenu un miroir open, un miroir de la même intention que Polymer, les polyfiles communs, et après il y a aussi une bibliothèque de composants, et des composants riches et plus riches, sauf que là c'est des composants faits par Mozilla, que c'est des composants basés exclusivement sur des trucs libres. Tu ne vas pas avoir une balise Google Maps, tu vas avoir une balise OpenStreetMap, tu ne vas pas avoir une balise Google Docs, tu vas avoir une balise Framadoc, etc. Mais tu as le même effort. Et le truc sympa de cette histoire, c'est comme la base est la même, tu peux les combiner. Tu peux prendre le composant Xtag de la bibliothèque qui se rappelle maintenant Brix, on reparlera tout à l'heure, et le mettre à côté des composants polymères et à côté de vos composants à vous. Et tous peuvent communiquer entre eux de la même façon et être réutilisés. Ça rappelle quelque part, bon, à ce moment, en général, les gens qui ont fait Angular, oui, mais sur Angular, on a des directives. Tu dis qu'on peut utiliser aussi des polymères, c'est quoi l'intérêt? Bah oui, les directives Angular, c'est un peu la même chose. Déjà, c'est plus compliqué à écrire. Et ensuite, c'est le cas que je me dis tout à l'heure. Moi, dans ma page, j'ai envie d'avoir d'un côté un menu qui est générique, que je vais utiliser partout. De l'autre côté, le bout d'application. Et sur la sidebar, j'ai envie d'avoir un autre petit widget. Comment je fais ça sur Angular? Bah, l'explication classique, c'est toute ta page, c'est une seule application Angular et tous les autres sont des directives. Oui, mais les trucs de ma barre latérale ou mon menu n'ont rien à voir avec le reste de mon appli. Pourquoi je ne pourrais pas avoir trois applis sur ma page? Non, Angular n'est pas fait comme ça. Sur Angular, tu as une seule appli sur la page. Insert ng app. Les gens qui sont forts en Angular vont me dire, oui, mais tu as des astuces pour le faire. Tu peux introduire les autres applis par code et les injecter. Mais ce n'est pas le comportement naturel. Moi, avec Polymer, cette idée-là de mon appli, mon page, il peut avoir une appli ou il peut avoir 10 applis, ensemble ou différentes, on s'en fout. Il va y avoir des composants, ces composants parlent les uns avec les autres. Donc ça me donne une flexibilité qu'avec Angular aujourd'hui, je ne peux pas avoir. En plus, comme c'est dans le cas véridique de mon menu et ma sidebar, là je ne m'embête pas. Les gros de ma logique, je les fais dans mon appli Angular, les widgets qui sont indépendants, j'ai les codes sur Polymer, et je les incorpore dans mon appli sans aucun problème. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt par rapport à Angular. Ce n'est pas un projet concurrent à Angular, c'est un projet complémentaire. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'équipe Angular a toujours dit que leur objectif à terme, c'est que les directives s'appuient sur des web components. Donc que les directives s'appuient de plus en plus sur Polymer. Ça sera des web components plus, des web components encore plus riches. Mais ça fait presque une heure que je parle, c'est fou comme je peux être bavard. Donc je pense que c'est le moment de commencer à montrer un peu de code, parce que sinon ça reste « c'est chouette, c'est très joli !» Mais à quoi ça ressemble vraiment? Et surtout, bon. Est-ce qu'on peut en faire en Java? En Java? Java. Ça, tiens, ça c'est une question qu'on peut prendre maintenant. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui une appli web en Java? En gros, je pense que soit vous êtes resté dans JSF, Strauss, Spring MVC, d'autres trucs comme ça,
Et c'est tout à fait valable. Vous êtes dans une boîte qui a beaucoup de legacy. On vous donne l'explication de ces historiques à chaque fois que vous demandez pourquoi. Et à chaque fois que vous proposez un truc, on vous dit, bon, bah, non, on n'a pas de budget. Dans ce cas-là, je suis vraiment navré pour vous. Je me suis retrouvé dans votre situation et au bout d'un moment, j'ai dit, ok, non, je quitte et je pars dans une start-up parce que je ne supporte pas la situation. Donc, c'est une réponse valable. Si vous êtes dans ce cas, je suis désolé, au moins il y aura un pot après la conf, vous pourrez socialiser et vous avez quelques bouquins et des goodies, donc vous n'avez pas perdu votre soirée. Sinon, vous êtes dans une boîte qui a compris que Java est super intéressant pour faire des API. Vous faites votre backend en Java, vous offrez une API REST, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous êtes encore sous SOAP, parce que dans ce cas-là, je vais à nouveau avoir pitié. Mais vous faites une belle API et après, pour la partie frontale, vous êtes obligé d'utiliser une autre techno. Là, ok, vous faites des trucs full mobile avec iOS, Android, ou sinon, vous êtes obligé de faire des web. Et qui dit faire des web en 2015, dit HTML, CSS, JavaScript. Tu peux les tourner comme tu voudras, mais ton front-end va être fait avec ça. Donc, quitte à les faire avec ça, autant les faire dans une façon qui vous permet de garder les bons réflexes que vous avez en tant que développeur Java. Une certaine structuration, une certaine idée d'héritage, d'orientation objet. Et la seule façon de faire ça, c'est prendre un paradigme à la Angular ou à la Web Component qui vous permet de garder ces réflexes-là. Sinon, vous cassez complètement la baraque, vous dites, ok, Java c'est bien, mais pour faire des web, on va faire un full stack JavaScript et vous testez des trucs encore plus exotiques à la React.js, à la génération de HTML, augmentant serveur client. Il y a plein de nouveautés qui arrivent dans ce monde-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, les web components, je vous le propose juste dans l'optique de gens en face de développeurs Java qui ont un état d'esprit qui est bien adapté à ce type de développement. Si j'avais un public de personnes qui font du JavaScript depuis des années, je pense qu'ils sont plutôt maintenant plus orientés vers d'autres technos un peu plus bizarres pour nous, mais qui les permet de faire des trucs bien chouettes aussi. Donc c'est pour ça que je vous raconte ça tout juste parce que vous faites du Java, mais ça ne va pas vous servir pour faire du Java. Donc, pour utiliser des polymères aujourd'hui, rien de plus simple. Première étape, vous allez sur le site web de Polymer. Là, il va vous dire comment installer Polymer. Vous pouvez soit le télécharger parce que vous n'êtes pas à l'aise avec la force JavaScript. Vous ne connaissez pas trop Bower, Grant et compagnie. Donc, vous téléchargez un zip, vous le mettez dans un répertoire de votre site web. Voilà, il est accessible. Soit, vous avez déjà un peu plus d'expérience avec JavaScript. Vous comprenez qu'est-ce que c'est quand je vous parle de Bower, Grant, Gulp. Et là, vous savez tout le nécessaire dans les repositories Bower et vous savez toutes les tâches nécessaires en Grunt pour travailler avec vos components. Premier exemple. Là, c'est l'exemple de base. Première étape. Je vais mettre les polyfills pour que tous les navigateurs et pas seulement Chrome puissent comprendre ce que je vais faire. Deuxième étape. J'emporte l'élément. Là, via Bower, j'ai récupéré un élément qui s'appelle Google Maps. Je l'emporte. Donc ça veut dire qu'il va arriver dans mon navigateur, mais il va le laisser dans un coin sans l'utiliser. Troisième étape. Je déclare ma valise Google Maps avec une latitude, une longitude. Là, vous pouvez dire, je suis feignant. J'ai gardé les maps de quand j'ai fait la conf à Nantes. Donc là, on atterrit quelque part sur Nantes. Et vous mettez ces valises-là, vous prenez ce code-là sur une page HTML et la page générée va vous générer les maps qui va bien, centrées à l'endroit qui va bien avec les niveaux de zoom qui va bien. D'accord? Donc, ce n'est pas extrêmement compliqué. Toujours la même chose. Polyfill à la base. Ensuite, les imports que vous voulez et vous utilisez les valises. Bien entendu, comme la confiance n'est pas toujours là. On va essayer de vous prouver ça avec ce petit exemple. Voilà. On arrive à la cité des congrès à Nantes. Qu'est-ce qu'il y a là, à l'intérieur? Ben, on va faire un view source. Et il y a ce que je vous ai dit.
J'ai emporté les polyfils, j'ai fait l'emport, tiens, j'ai défini un petit peu de style pour qu'elle remplisse ma page pour qu'elle soit plus jolie. Et ensuite, j'utilise ma valise. Et donc là, bah c'est à l'intérieur de la valise qu'il y a tous les trucs nécessaires pour que j'aie ma carte complète et pouvoir l'utiliser. Bah ça, c'est pour les composants Google Maps. C'est pareil pour tout autre composant que vous allez pouvoir créer. On va... Donc, lorsque tu fais l'import d'un composant, le nom du composant est défini directement par le composant lui-même, tu peux le surcharger ? Non, le nom de composant, en gros, c'est comme le nom de ton... Si, tu peux changer son nom si tu changes le nom de fichier. Parce que je pensais à des cas justement où tu as des conflits, typiquement je pense que des composants date picker, on va en avoir des... Mais tu peux importer plusieurs tant qu'ils ne sont pas sur la même URL, ça ne va pas te poser un problème parce que les noms, ils les servent même pour les ramener. Par contre, là où tu auras un problème, c'est si plusieurs composants définissent la même valise. Et c'est ça. Et là, tu es bon pour tripater les codes et changer dans les codes des composants. Tu n'as pas encore le concept de namespace. Avec la prochaine monture de JavaScript, où il y aura des mécanismes pour simuler des namespaces, les web components devraient pouvoir éditer ce comportement. Aujourd'hui, simuler des namespaces en JavaScript, c'est un enfer. C'est pour ça qu'on conseille toujours de préfixer vos composants avec quelque chose qui soit un trigramme, le nom de votre boîte, le nom de votre site, plutôt qu'avoir une valise map. Faire comme Google Maps, avoir une valise Google-map. Comme ça, quand Mozilla fait OpenStreet-map, ils ne vont pas rentrer en conflit. Donc, essayez de faire un nommage, entre guillemets, mettez le namespace dans le nom de composant. C'est la réponse un peu bâtarde qu'on peut vous donner aujourd'hui. Donc, maintenant, j'ai envie de créer mon composant à moi. J'ai envie de créer un composant qui s'appelle BraceUg. Que je préfixe avec un X pour qu'il ne rentre pas en conflit avec d'autres composants BraceUg que Nicolas va faire. Créer un composant polymère, c'est simple. Première chose, on met la valise polymère-element. Pourquoi polymère-element? Parce que les gars de polymère et les filles ont pensé que les UG ou les standard web component sera là, ils ne veulent pas que vos applications soient cassées. Si j'utilisais la valise element, le URL standard sera implémenté par votre navigateur, la valise element va vouloir être lue par le navigateur et lue par Polymer. Donc ça pourrait créer un conflit. On se dit, dans ce cas-là, la valise, ça va être Polymer element. Si un jour ton navigateur, il se met à jour et il supporte les web components tout d'un coup, ton code ne va pas être cassé. C'est la seule différence par rapport au standard. Donc il y a la valise, le nom, XBaseLog. À l'intérieur, il y a la template. Où il y a le contenu de mon composant, ici un composant qui va dire bonsoir le BraceUg, et après, cette petite valise content, c'est où on va injecter ce qu'on met à l'intérieur de la valise quand on l'utilise. Et le style. Bon, vous avez compris tout le style que j'ai mis là. Et ensuite, un bout de JavaScript pour définir le comportement. Dans ce cas-là, le bout de JavaScript, c'est ça va être un composant polymère. Donc il ne faut pas que le navigateur essaie d'interpréter lui, c'est Polymer qui va l'interpréter, et son nom c'est BraceUg. Qu'est-ce que ça va donner? Bon bah, qu'est-ce que ça va donner? Oh non. Erreur de... Voilà. Ça va donner ça. Donc, pour mémoire, côté JavaScript, côté HTML, ma page principale, la même chose que pour les maps de tout à l'heure, pour la carte. J'emporte les polyfills pour que le navigateur soit au niveau. J'emporte les composants que je viens de créer. Et ensuite, je déclare la valise. Et ce que je mets à l'intérieur va aller dans la petite valise content que j'avais définie dans mon composant. Donc, bonsoir le BraceUg et le texte que j'avais mis dans la valise. D'accord? Sur la partie import, est-ce que c'est prévu de
concaténation. Parce qu'actuellement, par exemple, si on a 15 JS, on peut passer ça dans un minimifier et on se retrouve avec un seul JS, oui. Une prise de requête HTTP. Est-ce que c'est prévu pour les imports? Oui. D'ailleurs, sur les projets Polymer, il y a un composant qui fait tout juste l'enchaînement d'un port et la concaténation de son port dans un seul port. C'est déjà disponible, s'appelle Vulcanize. Donc en gros, tu le passes comme une tâche grunt à la fin, il fait la même chose que ton Uglify pour les CSS ou les JavaScript, il va prendre tous les samports, et les samports de samports, et les samports de samports de samports, il va te compacter tout ça dans un seul gros fichier pour que tu fasses une seule requête serveur. D'ailleurs, c'est de que tu travailles avec beaucoup de composants, avec des bibliothèques de composants, ça devient indispensable d'utiliser en prod parce que sinon tu te trimbales avec une cinquantaine de requêtes, ce qui dans le web d'aujourd'hui c'est assez mal vu. Et donc, dans la page principale, comme on a vu, bah, on charge la bibliothèque, les polyfills, on charge les composants et on utilise la balise. Maintenant, on va ajouter un... Oui. Sur les imports, est-ce qu'on les trouve aussi dans les CDN? Et est-ce que ça permet de jouer avec les caches des navigateurs? Les imports, on les trouve dans les CDN. Par contre, c'est un peu le compromis à trouver entre la question précédente et celle-ci. Tu peux utiliser les imports disponibles en CDN, mais tu vas récupérer à chaque fois plein de requêtes. Ou tu peux faire ton truc personnalisé à toi, et dans ce cas-là, oui, il sera dans les cas de navigateur, mais pour ton appli, il sera exclusif à ton appli. Mais c'est un problème que ce n'est pas lié aux imports dans les bibliothèques JavaScript. Quand tu utilises Grant pour minifier les bibliothèques Bender que tu utilises, bah, tu as toujours le même souci. C'est au moment où tu concatènes les choses et tu les compresses, bah, tu ne peux plus profiter des caches de navigateur avant de la première utilisation de ton appli. Mais il y a un CDN côté site Polymer où tu peux, pour tous les composants, taper là plutôt que sur ton appli. Sincèrement, au bout d'un moment, il vaut mieux tout compacter et les servir depuis ta page. Tu te prends un... C'est même depuis la première requête, si tu es en mobilité ou avec un faible débit, simplement le fait de faire une requête plutôt que 50, ça compense les possibles pertes de temps liées à ne pas avoir les choses en cache. Maintenant, imaginons qu'on va donner un peu plus d'intelligence à ça. Dans la partie script, c'est là où je vais définir le comportement de mon composant. Là, je peux déclarer des propriétés dans un objet après le nom. Je vais déclarer la propriété Who am I, le brésil. Je peux déclarer des fonctions. Par exemple, une fonction qui fait un alert Hello, this, who am I. Et une vieille connaissance, si vous avez fait par exemple d'Angular, dans la template, je peux utiliser la syntaxe accolade accolade pour évaluer des variables que j'ai définies en bas. Donc les variables qui sont déclarées dans l'objet polymère sont accessibles via ce syntaxe-là. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un label qui va afficher « Bonjour » et la valeur actuelle de « Who am I ?» Le content, donc je vais injecter le content de la valise et un bouton avec les « On-click » donc pour qu'il ne soit pas confondu avec les « On-click » classiques de JavaScript qui va appeler évaluer le say hello, donc c'est-à-dire appeler la fonction qui est là quand je clique sur le bouton. Le mécanisme de templating là, c'est dans les web components? Le mécanisme de templating, c'est en cours de standardisation de les web components. Là, ils sont pris un peu d'avance côté polymère et juste ils font avancer pour faire un vrai mécanisme de templating riche dans les web components. Donc là, c'est plutôt l'avantage d'un projet comme Polymer, c'est que derrière, ça fait avancer les standards aussi. Parce qu'il ne s'était pas prévu à l'origine avoir un mécanisme souple de template côté Web Component. Donc si on revient là, on va prendre le dossier. Donc il me dit « Click me ».
Bah, je clique et l'officiel est le LibreJog. Bien entendu, si on regarde ici le composant, bah, tout est en shadow root. Donc la seule chose qu'on voit, c'est le texte à l'intérieur. Et c'est là que je vais voir le style et la template qui sera mis à l'intérieur de mon shadow DOM. Donc il m'encapsule toute la complexité liée à traiter avec le shadow DOM. Troisième chose, le two-way data binding, la super killer feature de Angular, il est extrêmement simple à implémenter en polymère, presque plus simple qu'avec Angular. Je déclare ma variable, le LibreJog. Je dis, tiens, pour le champ input, sa value, c'est lié à who am I. Et tiens, pour le label, il va afficher le who am I. Donc pas de engine model ou quoi que ce soit, directement la value de input. Et là, voilà. Par défaut, c'est des bindings directionnels, tu peux l'utiliser ou pas. Ensuite, tu peux faire aussi des bindings unidirectionnels, c'est simplement un sujet plus compliqué. Ils ont pris la partie de la façon la plus directe, c'est le bidirectionnel. Parce que si tu déclares la variable et tu l'utilises à des endroits, on peut supposer que tu vas faire des bidirectionnels. Et après, ils te donnent des mécanismes en utilisant des fonctions pour faire un binding unidirectionnel. Mais par défaut, ils pensent que si tu utilises le même nombre de variables à plusieurs endroits, c'est pour que tu veux faire référence à la même variable. C'est un parti pris. Mais c'est comme Angular dans ce sens-là, c'est des frameworks qui ont un avis très clair sur les choses. Donc soit ça te convient, soit ça te convient à peu près et tu utilises un mécanisme pour faire comme dans les cas où ça ne te convient pas, soit ça ne te convient pas du tout et dans ce cas-là tu ne l'utilises pas. En gros, ça va arriver à plusieurs endroits quand tu commences à développer avec Polymer, comme quand tu commences à développer avec Angular, que si tu as déjà des réflexes, bah, ça va être un peu dur. Par exemple, si tu as des réflexes de manipuler directement l'arbre DOM à la jQuery, bah, tu vas avoir le même problème qu'avec Angular. Si, en gros, c'est des frameworks pensés pour faire les choses d'une certaine façon. Et c'est plus simple de faire à leur façon. Tu peux faire aussi d'autres façons, mais c'est un peu plus complexe. Avec Angular, tu as rajouté deux points devant le template et c'est pas très complexe l'alliance. Ouais, mais avec Angular, maintenant tu peux faire ça, c'est pas toujours si facile. Là, c'est beaucoup plus jeune et pour l'instant, tu peux t'en sortir, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les codes. C'est pas si simple qu'avec Angular aujourd'hui. Là, si tu dois créer tes propres composants à chaque fois, c'est pas drôle. Là où il y a un vrai plus, c'est que tu as des bibliothèques de composants assez riches déjà sur place. Si tu veux que j'accélère, tu me le dis parce que je suis bavard, je te répète. Donc, il y a d'abord la bibliothèque Core Element, où il y a une cinquantaine d'éléments, des éléments de base. Par exemple, tiens, pour faire une toolbar, bah, il y a un élément de base qui est défini, tu peux l'emporter avec le core toolbar et tu vas avoir la valise dans laquelle tu vas pouvoir faire tes titres, tes icônes, etc. Et vous savez, bien entendu, dans les sites, plein d'exemples d'utilisation avec des couleurs par défaut, des thèmes par défaut, façon de surcharger, etc. Oh, tiens, combiner le core toolbar avec un header panel. Bon, bah, tu as l'élément core toolbar, le header panel. Pour le header panel, voilà, tu mets à l'intérieur la toolbar, les trucs.
Les éléments sont customisables en PPTools. Par exemple, en continuant sur les idées panel, tu peux dire qu'ils soient fixes ou pas. Et tu utilises ça avec des attributs, avec un mécanisme d'attributs. Tiens, à droite, il dit que les modes soient scroll. Donc, les idées panel, ils rentrent dans les scrolls. À gauche, c'est les modes fixes, que c'est les modes par défaut. Donc, ils restent toujours visibles, etc. Donc, des choses qui sont relativement complexes, tu peux le faire simplement avec des balises HTML, comme tu pourrais faire en Angular si tu avais la bonne bibliothèque de directives. Sauf que là, bah, tu peux les réutiliser partout sans devoir être dans une appli Angular. Un autre avantage de ces composants-là, c'est que depuis le début, ils ont été pensés pour les web d'aujourd'hui. Donc ils sont full responsive. Ils sont adaptables à différents terminals. Par exemple, les composants... Le drawer panel sur le mobile, ça représente le menu de gauche typique dans les dernières versions d'Android. Sur le fixe, ça représente une barre latérale fixe, selon la largeur de ton écran. Et toute l'interaction et tout, bah, il est caché automatiquement. Bien entendu, si tu as envie de les personnaliser derrière, c'est des HTML, JS, CSS, donc tu peux personnaliser ces éléments quand tu veux. Mais l'utilisation de base, et déjà garanti te donner un rendu qui est plus ou moins acceptable sur les différents terminaux. Et là, depuis l'été dernier, Polymer s'est mis à la mode Material Design. En gros, ils ont suivi les préconisations de la dernière version d'Android pour fournir toute une série de composants qui permet de créer des CHM en Material Design. C'est-à-dire des CHM que vous pouvez utiliser avec des bibliothèques comme Ionic ou Cordova pour faire des applis Android qui ont le même look que les applis natifs. Donc, Material Design, au cas où vous ne connaissez pas, c'est le paradigme d'affichage de la dernière version d'Android. Il a été montré dans les derniers Google I.O. Et, bon, bah, le lendemain, je me souviens, on avait des conversations intéressantes parce que les gens essayaient de définir ce que c'était Material Design. Une de ces qui m'a marqué le plus, c'est quelqu'un qui m'a dit « Oui, Material Design, c'est comme le flat design, mais en relief. » Ok, je crois que je vois c'est le flat en relief. En gros, l'idée, c'est créer un nouveau langage visuel qui permet de faire un... Et là, c'est des termes de designer, vous me permettez, je ne suis pas designer, donc je vais faire comme si, qui permet de créer un nouveau langage visuel pour un nouveau paradigme d'interaction entre l'utilisateur et la machine. Un paradigme qui sera adapté aux différents types de terminal, ce qui permettra à l'utilisateur d'avoir une expérience d'utilisateur semblable, mais pas identique, dans chacun de ces terminals, une expérience adaptée au terminal, mais assez semblable pour être tout de suite reconnaissable. Con quoi, des fois, quand tu es de designer, il y a quelque chose qui rentre, quoi. À la base, l'idée, c'est bien ça, dit avec des mots plus bruts. Il faut qu'aujourd'hui, l'utilisateur, et le cas le plus simple, c'est quand vous utilisez Gmail. Vous utilisez Gmail sur une ancienne version d'Android, sur le web ou sur iOS, sur un iPad, l'expérience est complètement différente. Il n'y a aucune harmonie niveau couleur, il n'y a aucune harmonie niveau utilisation. Là, ils se sont dit, c'est bête. Donc, on va essayer de donner sur chacun des terminals une expérience qui soit semblable, mais qu'en même temps ne dénature pas les terminals, qui prennent les avantages de interface tactile sur les portables et les tablettes, de toute la place qu'on a sur un écran fixe. Non, c'est pour ça que je sais pas que des responsive design, c'est des responsive interaction, quoi. Une interaction responsive. Et à la base, pour faire ça, ils ont inventé ce qu'ils disent, un nouveau langage visuel. En gros, c'est une nouvelle métaphore. Nous, sur des applis, on a la métaphore d'un desktop, d'un bureau, avec des applications qu'on met devant nous comme si c'était un bureau. La métaphore bureau, il est tellement ancré en nous depuis une vingtaine d'années qu'on la voit comme naturelle. Sauf que sur ça, la métaphore bureau, elle est un peu plus difficile à tenir.
Et ils se sont dit, on va créer une nouvelle métaphore. Après, ils ont réussi ou pas, c'est une autre histoire. Mais la nouvelle métaphore, c'est la métaphore de papier. Et maintenant, c'est un moment où je suis vachement content que Nicolas m'a laissé ça ici. Je vais essayer de prendre les bouquins légers. La métaphore de papier, c'est chaque appli, et chaque élément de chaque appli, c'est comme s'il était sur une feuille de papier. À la base, mon appli, donc, il va être une succession de widgets. Chacun de ces widgets est dans son propre post-it, dans sa propre feuille de papier. On peut faire un truc complètement plat, le flat design de Microsoft, de Windows Sheet. Et ils ont ajouté la notion de relief. Il peut avoir un widget qui est l'un sur l'autre. Et si l'un sur l'autre, bah, si c'est de papier, il va pas être, bah, il peut être là, il peut projeter une ombre l'un sur l'autre, on peut interagir, on peut voir que celui-là est derrière mais accessible, et celui-là par contre il est complètement caché. Et celui qui est le plus devant, c'est celui qu'on va utiliser. Et par contre, on peut l'envoyer vers les côtés, on peut les faire revenir, on peut les faire tourner pour avoir plus d'informations. Cette métaphore-là, c'est la métaphore de paper design. Il y a plein de trucs qui ont été faits par des designers qui parlent, comme j'ai parlé tout à l'heure, sauf qu'en sérieux et bien. Il y a plein de vidéos, si ça vous intéresse. Par contre, ce qui nous intéresse à nous, c'est en termes de développement. Android Lollipop, il est à fond sur ça. Vous voyez la nouvelle application Gmail, punaise, bon, dommage, je n'ai pas mon Chromecast, mais vous voyez bien que c'est toutes ces notions-là avec des différents papiers, ombres, les boutons, ils sont tous en petit relief, mais ils sont avec un design plat, comme si vous dessinez sur une feuille de papier, etc. Comment est-ce qu'on peut profiter de ces métaphores-là pour nos applis sans devoir se farcir tous ces trucs de matériel design? Et surtout, sans devoir utiliser Android. Bah, la réponse, c'est Polymer. Ils ont fait une implémentation en pur Polymer de tous les composants nécessaires pour créer des applications complètes avec le look Material Design sans utiliser rien d'autre. C'est ce qu'ils appellent le projet Paper et le Paper Element. Et là, par exemple, pour les tables de Material Design, bon bah, ils ont fait un paper tab. Celui-là, il me plaît bien, parce que si vous avez fait un minima de JavaScript, vous savez comment c'est compliqué de faire ces bêtises-là. Je dis ces conneries, mais je suis en public, donc je dis ces bêtises-là. Vous savez, un champ de texte, quand il n'y a rien écrit, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui s'affiche. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai vu que ce truc-là monte. J'ai vu qu'il me fasse une auto-validation automatique de formulaire et j'ai vu qu'il me dise quand tout est bien. Bon, bah, tu utilises un paper input. Tu lui dis que le label il est flottant pour qu'il bouge là-haut. Si tu ne le dis pas, il va disparaître simplement si ça te préfère. Tu dis, le label, c'est ce qu'on met là. Les conditions de validation, tu as ma expression régulière ou une fonction JavaScript quelconque, si je vais avoir un validateur plus particulier. Si le validateur ne passe pas, je mets ce message-là pour l'erreur. Boum. J'ai fait ça, j'ai ce label-là. Donc effectivement, on a un truc, je ne vais pas oser dire joli, mais en tout cas pas moche. Et on a, côté interface, un truc complètement déclaratif en HTML, sans devoir faire mon jQuery quelconque derrière. Oh, cet effet-là, là, ok, c'est des sucres visuels. Mais il faut avouer que c'est des sucres visuels qui fait de bien. Quand tu cliques sur le bouton, plutôt que ne rien faire, ou plutôt que les griser, on va simplement faire une petite vague pour indiquer qu'on a cliqué sur ce bouton-là. Ça s'utilise un peu partout dans la nouvelle interface Android. Bah, là, c'est ce qu'on appelle un ripple, une vague. Donc, pour chacun de mes cas, qui sont un SVG tout bête, je vais ajouter un ripple qui va prendre la même taille que la case. Et ce ripple-là, par défaut, il écoute les clics ou les effleurements des doigts si tu es sur une interface tactile qui se produit sur le composant, et ils font l'effet qui va bien. Donc, il y a ça pour tous les paradigmes d'interaction avec les mobiles.
Et il y a même une appli d'exemple. L'appli d'exemple, c'est le projet TOPK. C'est une appli qui est censée être, en gros, le noyau d'un réseau social, sauf la partie back-end, en gros, où tu as tes contacts, tu as plein d'activités, tu as une agenda, tu as machin, et tout avec des composants. Vous voyez pourquoi je disais que ça rappelle un petit peu le flat design de Windows 8, mais avec des couleurs pastel et des reliefs et une interaction différente. Si les couleurs pastel sont très importantes, ils sont définis toute une charte graphique avec des thèmes, et les thèmes sont tous des gammes de couleurs qui vont bien pour que ce soit le bon dégradé de pastel que l'utilisateur trouve attirant mais pas agressif. Je suis bon dans ce que je fais. L'appli, c'est là où on voit les avantages, elle est full responsive. Et ça adapte au terminal sur un grand écran. Les widgets ont des tailles différentes. Sur un petit terminal, tous les widgets prennent la même taille, ils se coordonnent. Si tu as encore un téléphone plus vieux avec un écran plus petit, ça va être une seule ligne, etc. Donc, les composants core, les composants paper pour faire des applications material design. Et ça serait dommage de s'arrêter là. Et t'inquiète pas, dans 10 minutes j'ai fini, tu n'as pas besoin de me faire dégager d'ici. Pourquoi? Parce que s'il y avait que Google qui fournissait des composants, ce truc-là serait un peu dommage. Déjà, oui, effectivement, vous pouvez créer vos bibliothèques de composants. Chouette. Ensuite, il y a plein de monde qui s'est mis à créer des composants et à les partager sur GitHub. Chouette aussi. Mais il y a d'autres projets. D'abord, un projet qui va vous intéresser, même si c'est que pour voir comment c'est fait derrière, c'est le projet Google Web Component sur GitHub. Et là, c'est les balises riches dont je vous ai parlé, les Google Maps, Google Analytics, Google API, Google Doc, pour mettre toutes ces applications Google dans vos applications web en incorporant une simple balise. Pour faire un mashup de Google Maps avec Google Analytics pour essayer de représenter dans une carte d'où viennent vos visiteurs. Bon, bah, tu mets les deux valises qui vont bien, tu les fais communiquer, tu ajoutes un peu de colle et ça passe. Mais l'idée c'est... Et tu lances ça sans doute. Bien entendu. Mais c'est le principe, non? Ensuite, je sais que beaucoup de monde a un problème conceptuel ou philosophique avec Google. Donc dans ce cas-là, tout ce que j'ai dit reste valable. Et plutôt qu'utiliser les composants Google, vous allez regarder sur le X-Tag de Mozilla le projet Brick. Et là, c'est le même type de composant, sauf qu'avec des Brick exclusivement libres. Donc, ça veut dire OpenStreetMap, des clones libres de Google Docs, des clones libres d'Analytics, etc., des API, etc., etc., etc. Il y a même d'autres petites boîtes qui essayent de créer des bibliothèques de composants à eux. C'est le cas de Bosonic. C'est une startup qui a créé sa propre bibliothèque de composants en se basant exclusivement sur les polyfills qui va bien, et ils ont pris d'autres parties pris de design. Ils n'utilisent pas les templates avec les styles, la description en bas les JavaScript pour le comportement. Ils le font de façon différente, mais vu qu'ils s'appuient sur le même socle, leurs composants, tu peux les mélanger parfaitement bien avec les autres faits avec polymère ou d'une toute autre façon. Donc ils sont des composants sympas aussi et ça vaut la peine de tout. Donc, en conclusion, oui, vous pouvez utiliser dès aujourd'hui de vos composants. La façon la plus simple, c'est utiliser polymère. Si vous voulez utiliser polymère, c'est... Ça permet d'aller très loin, autant dans la création de vos composants que dans la réutilisation de composants déjà faits. Si vous ne voulez pas utiliser polymère, chouette, vous prenez le polyfill et vous créez les composants utilisant la version de standard, donc avec templates, Shadow DOM et tout ça, ou vous regardez de côté Bosonic. Est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui des vos composants pour faire une appli complète? Voilà, il y a deux réponses. La première réponse, la réponse, je me la pète. Oh oui, on peut tout suivre, on peut parfaitement bien, je l'ai fait, donc ça, on peut. Après, la réponse pragmatique, ça dépend de la taille de l'appli. Aujourd'hui, ce que je recommande, c'est
Vous avez une appli complexe, avec plein d'itérations à droite et à gauche, avec plein d'écrans, avec une navigation, donc un routeur relativement complexe. Va basculer plutôt Angular, Backbone ou un autre système. Vous voulez faire des widgets, des trucs que vous mettez dans vos pages, qui sont plus ou moins indépendants, même si ça reste complexe. Dans ce cas-là, rien ne vaut les web components aujourd'hui. Et surtout, le grand avantage, et je répète encore une fois, c'est que ces widgets-là, vous pourrez les réutiliser après partout dans vos différentes applis, sans vous soucier de la techno dans laquelle ils sont faits. À terme, qu'est-ce que ça va donner? Bah, à terme, et là je pense que je ne fais pas mon prophète de Baal en disant ça, à terme ça va prendre de l'ampleur. Tout juste pour ce côté interopérabilité de laquelle je parle. Le fait de pouvoir t'affranchir de la techno qu'il y a dedans et pouvoir faire simplement des composants isolés que tu mets, que tu mélanges quand tu vas dans ton appli global et que tu utilises. C'est un peu ce que pour beaucoup, on manque aujourd'hui avec Angular. Il y a des super directives Angular. Moi, ça m'embête de devoir utiliser Angular pour les utiliser. Mais punaise, il y a une bibliothèque de directives énorme. À terme, quand le catalogue de composants d'éléments disponibles sera aussi grand, là, on pourra faire des applications complètes avec un coup de j'emporte ça, ça et ça, je les place dans ma page et j'ai fait quelques composants globales pour orchestrer tout ça et dire les interactions entre eux. Et c'est là que si vous avez fait des clients lourds, si vous avez fait des swings, si vous avez fait des QT, si vous avez fait n'importe quel système de ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années, vous direz, ouais, mais on faisait déjà ça. Ok, bah on va pouvoir enfin le faire dans le web. Les codes que vous avez vus aujourd'hui et d'autres bouts de code sur mon GitHub et sur Lost in Italy, et en plus d'autres exemples, sur Stack Overflow, j'ai aussi pas mal d'exemples parce que je suis relativement actif dans les trucs polymères. Donc en plus, si vous essayez, vous avez des doutes, vous n'hésitez pas à me poser la question. Et effectivement, il y a des trucs qui manquent encore, ça pourrait être plus mûr, il manque une façon de faire un one-way data binding plus simple, il manque une façon de faire un routage aussi puissant que certains routages qu'on peut faire avec Angular. On fait l'équivalent de routage de base de ng-root d'Angular, mais on n'a pas l'équivalent de routeurs plus riches qu'on peut avoir sur Angular. Il y a encore des trucs qui manquent, c'est une techno qui va en avant, mais c'est une techno que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Nous, côté Citizen Data, on l'utilise déjà dans plein de nos produits. On l'utilise dans la démo qu'on a présentée au CES de Las Vegas en janvier. On l'utilise dans des applications pour nos clients. On l'utilise surtout pour les widgets de visualisation de données. Imaginez, on va et avec ça, je vais finir avant que Nicolas n'ait pas une attaque. Imaginons que vous voulez faire de la visualisation de données. Bah, il y a des 3JS, il y a plein de bibliothèques possibles. Et si vous voulez mettre un widget de visualisation sur une page et vous voulez pouvoir le donner à d'autres personnes pour qu'ils s'en servent, bah, la façon la plus simple serait tout juste de l'encapsuler dans un web component et ce web component, tu peux l'utiliser partout. Bah, c'est ça que nous, on a fait. C'est les dernières. Et avec cet exemple-là, là, j'ai envie de faire une visualisation de données en temps réel qui tape dans notre plateforme en fonction des paramètres que je veux, de visualiser les résultats. Et j'ai envie de pouvoir fournir ça à un client à tout moment et qu'il puisse le mettre dans ses pages de reporting. Et je ne sais pas si le client il utilise HTML à poil, ou Angular, ou Backbone, ou n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un composant que j'appelais QuantumVis. Un composant dans lequel je mets les scripts que j'ai envie d'exécuter pour récupérer mes données, comme contenu. Et je lui dis, ok, pour utiliser le composant, tu mets les polyfills et tu emportes mon composant. Et là, tu lances ton script et lui, il va contacter notre plateforme et visualiser les résultats. Que le autre client, il a un autre type de script,
bah, ouais, même système, il visualise le résultat. Là, j'ai fourni ces deux fichiers-là à mes clients. Ils l'incorporent dans leur dashboard. Je ne sais même pas quelle techno ils utilisent. Je pense que certains ils utilisent que HTML tout bête et méchant derrière avec l'ISF ou un truc aussi crâne. D'autres, je sais qu'ils utilisent Angular. Et c'est très bien. Je n'ai pas à le savoir. Je les fournis un widget qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Et je m'en fous de la techno. Ça, je peux vous dire que ça m'a simplifié considérablement la vie. Ça, c'est un exemple d'un cas d'utilisation type pour des web components. Et sur ça, bah, je pense que c'est fini, fini, fini. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Comme ça, on les fait patienter encore plus. Allez, des questions pour les faire patienter. Oui? Oui, il y a des projets pour les internationaliser et moi j'ai fait simplement quelques fonctions d'internationalisation de base dans ton composant. Tu peux avoir pas seulement un fichier, tu peux avoir plusieurs qui sont, tu importes les composants, il importe d'autres. Donc j'importe les fichiers de langue et en fonction de la langue que j'ai récupéré de navigateur, je chasse un fichier de langue ou à l'autre pour mes labels. Donc, toute l'internationalisation, tu peux la mettre à l'intérieur des composants. Après, ça c'est tout à fait possible aussi, faire un fichier global d'internationalisation, mais ça perd un petit peu si tu es là d'encapsulation. Donc oui, et il y a des bibliothèques qui aident à les faire plus automatiquement, mais à la base, simplement, avec des fichiers de ressources, je me suis sorti sans problème. Là, tu as vu le Shadow DOM, ça a l'air costaud comme ça, tu ouvres Chrome, tu le pètes en moins de 2 secondes. Si c'est de l'EDRM, il utilise le Shadow DOM, mais il ne se base pas sur ça, il se base sur certains contenus, c'est crypté, et là, ils n'ont que des options pour faire ça. Soit, tous les navigateurs décident, même si c'est un navigateur open source, il y a une partie qu'il te cache sur laquelle le code est propriétaire, et dans ce cas-là, ça marcherait, ça s'exécute dans les Shadow DOM, mais avec un bout de code fermé sur lequel tu n'as pas la main. Dommage pour des systèmes comme Linux, qui dans ce cas-là, ils n'auraient pas accès. Soit, il se base sur une clé de cryptage serveur. Et dans ce cas-là, les Shadow DOM, ils encapsulent des chaînes cryptées et une URL dans laquelle tu vas chercher la clé pour les décrypter. Et là, c'est la façon de faire des DRM avec ça qui marche un peu partout. Mais ce n'est pas lié au Shadow DOM en soi, parce que Shadow DOM, tu vois l'intérieur comme tu veux. La sécurité par Shadow DOM serait un peu comme la sécurité par l'obscurité. Mais voilà, si vous le faire comme ça, tant mieux, et le public se portera encore mieux. Oui? Le fait que ce soit dans Shadow DOM, imaginons qu'il y a un bug dans un composant, est-ce que ça remonte comment le visualise? Comme s'il y a un bug, tu as quand même accès à la console. Le Shadow DOM peut écrire dans la console. Donc, quand tu as une erreur, tu les vois dans la console. Par contre, si tu es en train de déboguer ton appli, bah, ça te force à que le debugging aujourd'hui se fasse sur Chrome. Parce que c'est le seul endroit où tu peux voir le Shadow DOM et interagir nativement avec les outils de développement. Si tu essayes de développer tes web components aujourd'hui en Firefox, bah, tu vas être un peu mal parce que tu vas devoir jouer qu'avec la console comme il y a une dizaine d'années. Bon, bah. Oui? Côté performance, il y a quelque chose à dire ou... Côté performance, c'est très performant en Chrome parce que c'est full natif. C'est assez performant, voire très. Ça dépend des composants sur Firefox. C'est utilisable sur Internet Explorer. Ça s'utilise très bien. Il faut être un peu patient, mais ça s'utilise très bien.
Voilà. Et par contre, là, il ne faut pas vous leurrer. Si vous êtes de ces personnes-là qui doivent encore maintenir des applis IE6, IE7, IE8, dans ce cas-là, ce n'est pas pour vous. Mais on peut dire la même chose de Angular, de Backbone et de 90% des technos actuels sur IE8, vous n'arriverez pas à faire tourner ça d'une façon convenable. Et sur IE6, je ne vous parle même plus. Là, c'est des aléas d'utiliser des technos complément de passé, là, il ne peut plus rien. Tu prends ton deuxième slide, en fait, avec le formulaire. Voilà. Ouais. Ça reste aussi, en même temps. Voilà. Et même chose, si tu as encore un Android 2.1, à partir de 2.3, il commence à faire quelque chose, et c'est à partir d'Android 4 que tu as une fluidité complètement normale. Donc si tu as un Android première génération, si tu as ton HTC Nexus One, peut-être c'est le moment de changer de téléphone. Oui. Au niveau du référencement, ce qui est prévu, le content de ton template soit lu par les moteurs de recherche. Il est lu, c'est l'avantage. Ouais. Le content, c'est que tu mets à l'intérieur de la valise. En gros, les robots, ils vont voir que la partie qui n'est pas Shadow DOM, c'est pour ça qu'il y a les content, estimez là les contenus indexés, les contenus sémantiques. Donc, tout juste, l'idée de Shadow DOM, c'est on ne va pas pénaliser les moteurs de recherche, on peut mettre à l'intérieur de la valise tous les champs indexables, et après, dans la template, on met tous les restes, et on injecte ces champs-là à la template. Voilà. Mais la sémantique, elle n'est pas trop traitée par les moteurs de recherche aujourd'hui. Même, à la limite, il va trouver les mots-clés de la valise et il va te l'indexer. Donc, tu perds un petit peu, tu gagnes un petit peu aussi. Eh bien, merci, Horacio. Il reste avec nous, de toute façon, pour voir un tout. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, ce sera un plaisir d'y répondre. Tant qu'il me reste un peu de voix, oui.